Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomovem, je suis humoriste et romancière. Je m'adresse aux artistes camerounais qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à toucher leurs droits d'auteur, que vous avez des élections prévues le 24 octobre et il y a une multitude de candidats qui s'est présenté à vous. Je vais vous parler d'un seul candidat, Jean-Pierre Essomet. Jean-Pierre Essomet est un artiste. Mais vous savez qu'en dehors de la chanson, c'est un gestionnaire. Donc, il maîtrise le dossier. 32 ans de sa vie à s'occuper de la gestion des entreprises et tout ce qu'il touche se transforme en or. Confiez-lui vos droits d'auteur. Il sait de quoi il parlera. Il va réguler tous les soucis que vous avez. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne faites plus confiance, mais souvenez-vous que ceux qui avaient la gestion de vos droits d'auteur n'étaient pas des hommes expérimentés dans le domaine. Ça aussi, c'est un problème. Nous voulons voir un homme d'expérience comme Jean-Pierre Essomet qui a trop d'atouts, immensément doué. Nous aurons un mannequin, parce qu'il sera toujours très bien habillé, sympathique, courtois, éloquent. Et il maîtrise la gestion des entreprises. C'est à lui que vous devez confier vos droits d'auteur. Je suis sûre et j'en suis convaincue qu'il saura s'en occuper. Comme de ses belles vestes, de ses parkas en cuir, de ses belles chaussures. Il saura vous chuchoyer comme il chuchoie ses beaux vêtements. Confiez-lui vos droits d'auteur. Les élections vont se passer le 24. N'hésitez pas, confiez-lui la gestion de vos droits d'auteur. Je vous parle de Jean-Pierre Essomet, c'est mon frère, nous avons grandi ensemble, il a été à l'école avec mes frères au lycée d'Oubala, on se connaît bien, et comme vous me connaissez aussi, vous m'appréciez, s'il vous plaît, votez Jean-Pierre Essomet, c'est l'homme providentiel. Je vous souhaite de belles élections, nous attendons les résultats. Nous voulons voir un Jean-Pierre Essomet qui va bien vous chuchoyer, qui va s'occuper de vous, qui va vous bichonner, qui va vous donner ce qui vous revient de droit, vos droits d'auteur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Ciao. Ciao.